En septembre, les Françaises disaient « Nous serons chez nous pour les châtaignes ». Mais les châtaignes étaient passées. En octobre, elles disaient gravement « Nous serons chez nous pour la Toussaint ». Mais la Toussaint aussi était passée. Allons, courage, tout va bien. À Noël, nous serons chez nous. Cela, personne n'en doutait chez les Françaises. Noël, c'était la limite extrême. Noël, on ne pouvait y penser sans penser à la maison. Nous partirons, un jour peut-être, un jour encore lointain, mais il faut bien nous le promettre, nous partirons un beau matin, nous partirons toutes ensemble, le cœur joyeux et bondissant, nous partirons, et cela semble n'être qu'un songe ravissant, nous partirons sans qu'il nous manque plus de compagne qu'à présent, vers nos forêts, nos calanques, nos monts et nos canaux luisants, vers nos hameaux qui nous attendent ou nos villes pleines de bruit, nous partirons. C'est la légende d'hier autant que d'aujourd'hui. Nous partirons, il faut le dire et le croire et le répéter, nous partirons loin du martyre, vers la divine liberté. Nous partirons, loin des tristesses, des poux, des femmes et du camp, nous partirons dans l'allégresse. Nous partirons, oh oui. Mais quand ?